Anne Gibbe, le lancer et la mitaine. Lancer et Moron en deux temps, d'abord avec la crosse puis avec la mitaine. Et le but, l'ouverture du score en plein milieu. Les Scorpions qui vont mener 1-0. Et il me semble que c'est Rousseau. Samuel Rousseau qui vient marquer le premier but ici. Et ça fait donc 1-0 pour Mulhouse. Et c'est reparti déjà. Bienvenue qui vient arrêter. Oula, l'erreur de Savoie qui avait quitté sa cage, but vide. Ça ne profite pas aux Mulhousiens. On connaît l'efficacité des Amulois en power play. Oh, c'est fait. Et Jim Pierce qui vient égaliser. Ça fait un partout. Il a fallu 9 secondes. 9 secondes pour mettre le power play en place. Et égaliser. Pourtant, il reste en jeu, Moron qui le relâche, Pierce, Fretnard, Clément Fretnard, Wilson, le bouton, le Clément Fretnard. Moron complètement masqué par sa défense et l'attaque améloise. Alors on va attendre de voir s'il n'est pas dévié, mais qu'on voit c'est Clément Fretnard balancé à la bleue. Il vient tromper le gardien des Scorpions et ça fait deux buts partout. Ça fait deux poteaux. Un. Et le but. Il est trop long. Il vient tromper sa voix, l'absence totale de défense. Et gardien Amino battu à son premier poteau. C'est clair. Pierre Sabatier lancé et la mitaine demande tout de suite. Car il ne peut pas la remettre dans l'axe, c'est le jeu qui se poursuit, le tour qu'il fait. Et ça va qui va lâcher. Permettre au milieu d'attaquer, le lance. Ça joue. Et pas qui est sous sa voix. On s'approche. Encore. Et ça s'échauffe devant la cage de Moron. Le gardien Milo qui a quitté sa cage. Et le titre attaque à deux joueurs de plus. Lancé de Pierce et Moron.